Salut tout le monde, aujourd'hui on est prêt pour une nouvelle vidéo. Du coup sur Minecraft. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Minecraft et plein d'autres. Enfin j'en ai jamais fait sur Minecraft. Ah oui, j'en ai jamais fait. Si vous voulez savoir les systèmes des attractions. Si vous voulez savoir comment ça marche et tout, vous avez juste à me le dire. Du coup, je vais faire comme un visiteur. La première partie, je vais faire comme un visiteur. Et la deuxième partie, je vais juste vous montrer de haut, quoi, et vous dire, en gros, comment il marche, les systèmes. Du coup, le visiteur, il arrive. Enfin, il voit là-bas. Et du coup, il voit tout le parc d'attraction. Il entre. Il marque « Bienvenue au parc d'attraction ». De Julien, parce que je l'ai appelé comme ça, je sais pas pourquoi. Du coup, il entre. Ici, il y a marqué un lingot d'or égale un ticket. Du coup, il a juste à mettre un lingot d'or et ça lui donne un ticket. Bon, moi, comme je suis en créatif, j'en mets 9. Mais en fait, c'est, comment dire, c'est le prix est de plus en plus élevé. Si vous prenez un ticket, ça vous donne un lingot, ça vous donne un ticket. Et si ça vous et si vous mettez 3 5 lingots, ça vous donne 3 tickets, vous voyez, du coup c'est pas ça fait pareil. De toute façon, on a besoin que d'un ticket pour une personne. Vous prenez votre ticket, vous le mettez là. Ça a ouvert ça ici là. Je vais vous remontrer, du coup, faut juste repasser là. Je vais faire comme je rentre et je sors. Que je vais vous montrer, ça va être plus simple. Hop. Vous voyez là, ça s'est refermé, mais il arrive, c'est comme ça déjà. Il a juste à regarder là, il essaye de passer, ça marche pas. Du coup, il faut qu'il mette un ticket là-dedans. Un ticket, ça suffit, hein. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Du coup, là, vous voyez, ça s'est ouvert. Il n'est pas obligé de ressortir et tout ça. Hein. Juste pour vous montrer, parce que vous avez pas vu que là, c'était fermé. Voilà. Là, on peut ressortir. Alors, c'est normal si vous entendez les bruits en fond. Voilà. Là c'est le petit train à partir de 6 ans quoi, parce que j'utilise pas de command block à part pour pour marquer le petit train à partir de 6 ans et pour l'entrée aussi et pour la sortie et pour enfin juste pour les noms quoi, sinon là je n'utilise pas du tout. Faudrait que je regarde comment on fait parce que sinon là tu vois, vous voyez ils sont tout courts là les manèges. Et si en commentaire vous pouvez me conseiller des vidéos pour regarder des systèmes pour les attractions et tout pour que je les améliore, vous pouvez me conseiller en commentaire. Si il y a des systèmes que vous comprenez pas trop, vous me dites. Voilà, du coup là on peut sortir. Voilà, c'était tout court, hein. J'ai dit je n'utilise aucun command block à part pour l'entrée, pour la sortie, pour ça le petit train aussi. Là j'ai le grand splash, même si il est pas très grand, hein. C'est à partir de 8 ans, mais il est pas très très bien. Voilà, vous voyez là, il y a des minecarts qui arrivent des deux côtés. Voilà, et là vous voyez, j'ai pas arrivé à le prendre parce qu'il est allé en cours de route quoi. Et du coup j'ai prévu un truc pour ça. Vous avez juste appuyé sur ce bouton, l'OS s'enlève. Et du coup, vous pouvez prendre un minecart pour appuyer dessus pour que l'eau elle se remette. Et voilà. Ça se remet automatiquement. Après, vous pouvez rester dedans. Bon, là, c'est la première partie. Du coup, je fais comme un visiteur. Je sais pas trop comment il est le manège et tout. Du coup, je vais vous expliquer plus tard où on peut aller et tout. Oh, moi, je vais aller sur ce truc-là. Allez là. Hop là. Voilà, du coup là on remonte. Hop. On remonte. Voilà, vous pouvez sortir ou vous pouvez rester aussi. Du coup, ça continue là-bas. Nous on va sortir. Et je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Si vous voulez que je continue, parce que j'ai essayé de faire une série par attraction, si vous voulez que je continue, que j'améliore des trucs et tout, vous pouvez me dire.
Bon, là, j'ai fait que ces trois attractions parce que j'ai commencé il n'y a même pas 3 jours. Du coup, là, c'est un petit train photo. Mais... Parce que j'arrivais pas trop à faire. Enfin, c'est difficile de faire des trucs qui font peur dans Minecraft. Plus, surtout quand on n'a pas de command block pour faire les trucs. Là, il y a ça. Là, il y a ça. Et ce que j'aime bien avec ce manège là, c'est que des fois on retourne en arrière. Des fois. Ouais, là vous voyez, je suis un peu retourné en arrière, mais des fois en fait on fait tout le manège en arrière comme ça. Mais là, je vais pas retourner en arrière. Hop là. Ah bah, je retourne en arrière. Et voilà. Du coup là, vous pouvez sortir. Voilà, du coup là, bah, je vais sortir comme un visiteur et après je vais vous montrer un peu globalement. Du coup là je vais sortir. Il y a marqué sortie. Hop, hop, hop. Du coup bah c'est la sortie. Il y a marqué heureux de votre visite et à bientôt. Bah, du coup les gens ils sortent et après bah ils peuvent revenir s'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Alors on va commencer par celui-là. Celui-là c'est tout simple. Bah ils viennent ici, du coup ça descend, ça monte. Celui-là c'est le plus simple. Descend, ça monte, bah ça va dedans et ça ressort ici. Après j'ai fait un système, j'ai mis de l'eau. J'ai mis de l'eau, du coup après on va ici. Et les minecarts, bah ils avancent et ils attendent ici. Voilà. Je passe au prochain. Laurence Plache. Le grand splash, bah du coup j'ai mis, par contre pour les attractions, du coup j'ai mis des commandes blocs et j'ai mis des commandes pour marquer les noms. Du coup, comme vous voyez là c'est le grand splash. Après le visiteur il monte là. Hop là. Bah là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il appuie sur le bouton pour prendre une carte. Ça avance. Et du coup, les minecarts, vous voyez celui-là, là, celui qui est juste devant moi, il va ici. Et quand il va passer sur ce rail-là, vous voyez, ça active, c'est la redstone ici. Du coup, qui pousse, qui font pousser les boutons. Et du coup, quand il y a un minecart qui est au niveau où je suis là, bah, du coup, il est poussé. Et du coup, quand il avance, au lieu d'aller ici, bah, il va ici. Bah, ici, c'est... C'est pareil, sauf qu'ils passent par là. Et après, ils attendent ici. Qu'il y en ait un autre qui les pousse par derrière. Là, je l'ai mal mis, par contre. Hop, pour que je le remette bien. Il va repartir, normalement. Et comme ça, il va revenir, il va bien se mettre. Et il attend juste qu'il y en ait un autre ici qui vienne. Vous voyez, là, il y en a un autre. Il y en a un autre qui vient et qui va le pousser. Et du coup, il va pouvoir repartir en haut. Voilà. Oh, comme j'étais devant, il a pas pu le pousser. Il pousse en plusieurs fois. Hop. Et pourquoi il pousse pas? Pourquoi il tombe pas? Ah oui. Voilà. Celui-là, il va retourner là. Il va se mettre à sa place. Il va attendre ici. Et voilà. Bon, c'est normal le bruit. Alors, celui-là. Bah, c'est un peu pareil que le premier, en fait. Du coup, je vais vous montrer les systèmes autour. Et à l'intérieur, si j'arrive bien à descendre. C'est compliqué de descendre quand on n'est pas dans la même carte. Voilà. Oula. Voilà. Ce truc pour activer la redstone, ça sert à... Bah, je sais pas pourquoi je l'ai mis, en fait. Au début, je voulais faire un système, mais finalement, non. Du coup, il y a ça. Il y a aucun système de redstone, là. Ah oui, quand je suis intervenu ici, ça va tout bloquer. Hop, et du coup, je vais en remettre 2 wagons, 3. Je vais en remettre 4. Et c'est bon, je remets 4 wagons, ok. J'en ai enlevé 4. Hop, hop, hop. Hop. Oula, il y en a plein. 1,
qu'il y en a assez. Faut pas que je les bouscule. Et voilà. Voilà, ici il y a ça. Là, il y a ça. Que vous avancez rapidement ici. J'ai essayé de faire que vous avancez pas rapidement pour bien voir tout. J'ai pas réussi. Après, vous allez là. Voilà, du coup, là, il y a ça. Et j'ai mis un système en dessous qui est pas compliqué du tout. Qui fait juste avancer ça et reculer. Il y a ça. Mais j'arrive pas à faire des bons trucs de. Bah, enfin, d'un train fantôme. Parce que c'est compliqué quand on n'a pas de commande bloc. Voilà, après, vous ressortez là. Voilà, bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. S'il y a des systèmes que vous comprenez pas ou que vous voulez que je vous montre. Bah, vous me dites dans les commentaires et vous pouvez me dire si vous voulez que je fasse. Enfin, que je continue à faire plein de trucs dans le parc d'attractions. Et vous me dites si vous voulez que je continue, du coup, à faire ça. Voilà, bon, bah, je crois que c'était tout. Voilà, bah, à la prochaine. Je vais arrêter l'enregistrement. À bientôt!